Tu es sur parleur, hein? Ah, ok. C'est bon, alors. Bon, j'enlève, alors. Oui. Hein? Demain, là. Aïe. Attends, il y a fini mon... Bon, attends, quand il arrive à la maison, il t'appelle. Oh, tu es vrai, vrai. C'est maintenant que tu me vois en direct que tu te rappelles que tu as m'appelé. C'est maintenant que tu te rappelles que tu dois m'appeler, quoi. Qui devait t'appeler? Toi et toi et moi, il y a affaire de celui qui doit appeler quelqu'un. Ah, mais tu me vois en direct, et puis tu m'appelles, mais pour y en a qu'à parler de demain là, quoi. En direct là, là. Il y en a qu'à savoir que demain, on s'en quelque part. Ah, ok, donc il faut laisser la commission. Quand il s'est à la maison, il t'appelle pour parler de pour demain là. Bah, pour demain, là, c'est pas en direct, on va parler de ça. Attends, je mets sur le parleur. Voilà, on t'écoute. Les ils sont là. Ils sont en tas la nuit là. Tu vois, ils dorment pas. Les Kouachars, ils savent. Ils savent que Yvan Hul qui fait pousser les cheveux. Ils savent que. Et puis, ils ne jouent pas rôle. Pourquoi ils jouent rôle? Aïe. La vendeuse là me dit qu'il joue rôle, il appelle. Où? Ah, il appelle, il appelle, il y en a qui viennent. Les SMS, comme tu as mis les clans là. Ah, il est dessus des clans, non, il est dessus d'eux, parce que vraiment. Et j'ai appris que. Mais c'est ça que je voulais leur dire, parce qu'il paraît que j'ai appris que. Ils ont mis les tickets là en Black Friday. Hein. Black Friday dans ticket d'événement de la Eklund, ça là vraiment, ça m'a fait asseoir par terre sur le goudron dans la pluie. Black Friday, c'est-à-dire que Black Friday où on fait moins 50%, là, où on fait moins, tout est à moins 50%. Il y a ticket d'événement aussi de EK qui est à moins 50%, alors que la Eklund, ils sont là. Ils sont comme des rapaces, pour ne pas dire. Ils sont comme les poissons qui mangent. Ils n'existent pas même. Ils font aide-moi à détester. Il y a pas dit. Ils n'existent pas. Les poissons piranhas. Les ils sont comme piranhas. Des piranhas. J'ai l'impression que c'est des personnes invisibles. On peut faire ça. On dit que votre star fait conférence. Sa première conférence depuis sa Starmania. Là. C'est ça qui est là. L'événement de la gloire. En temps normal, là, les tickets devraient être. C'est-à-dire que ça doit être à guichet fermé. Ça doit être à guichet fermé. Vous êtes trop. Hein? On dit Black Friday pour ticket là. Ça là seulement, je n'ai pas aimé. Ça là seulement, là, je n'ai pas aimé. Ah non, je suis assis par terre. Pourquoi? On dit ticket là, allez-y payer ticket, vous allez faire honneur à votre star. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe, c'est quelle histoire ça? Donc vous aimez les gens dans la bouche quoi. Quand il s'agit de concret là, vous n'êtes pas là. Vous aimez en chose, en théorie. Quand on parle de pratique, il n'y a personne. Il y a qu'à la main Abidjan. Je n'ai pas aimé. On a dit de mentir que c'est elle qui a payé la salle là comme ça parce qu'on compte sur la Eklund. Parce qu'on dit que la Eklund va compatir au fait qu'elle ait dépensé tout son argent pour payer la salle. Parce que tellement qu'on croit à la Eklund. Eklund, où êtes-vous? La Eklund, sortez, c'est le moment de sortir. C'est le moment de prouver. C'est le moment de prouver à EK que vous êtes là, vous êtes avec elle, pas seulement dans le virtuel, mais dans du concret cas, aussi, dans la vraie réalité. Nous, les membres de la Libye, on soutient cette conférence, on n'ira pas là-bas. Voilà, on n'ira pas là-bas parce que nous sommes des hauts cadres des réseaux sociaux et que nous n'avons pas envie de nous mélanger à la clique et à la racaille. Sinon, en temps normal, j'aurais pu donner l'ordre que toute la Libye soit là. Et en tant que le président, ça aurait été fait. Hein? J'aurais pu dire, bon, toute la Libye, on se rejoint, comme on appelle ça, à la conférence de Emmanuel Keïta, dans la paix du Seigneur. Hein? Mais chose, la Eklund, il est également à Abidjan. Je n'ai pas aimé, on dit que Black Friday.
Black Friday, t'as fait des choses. Mais maman, il n'a pas compris ça. Je dis que toi, tu travailles, je suis fatigué quand même. Non, il ne peut pas aller me coucher avec ça là. Sinon, il est mal dormi. Il faut que je fasse un live pour leur dire ça. Pourquoi? Ah! Black Friday, ticket là, on dit c'est à moins 50%. Pourquoi? À partir d'aujourd'hui, un clan qui vient insulter là, les Bachari. Si vous voyez là, un clan insulté quelque part, attaquez-les, mordez-les. Insultez-les. Si vous voyez quelqu'un qui se dit un clan en train d'insulter quelqu'un quelque part là, et à grouper sur elle-même, grouper sur la personne comme jamais. Bah, vous pouvez pas faire ça. C'est un comportement de cour commune notoire, ou cour commune et puis au milieu. Pourquoi? Où tout le monde vient puiser l'eau au milieu avec son seau pour aller se laver dans une douche par terre. Un comportement comme ça, là, le clan a quoi? Avec toute la classe que... Non, mais vous pouvez pas... Partagez le live, s'il vous plaît, les Bachari. Vous me faites quoi, là? Même s'il est minuit. Je sais que vous ne dormez pas. C'est le week-end. C'est le week-end. Hein? Il n'y a pas de perroquet, pas en direct. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Reste là, même. Tu me tiens compagnie. Tiens-moi compagnie avec la Bachari gang. Non, mais la Bachari, toi-même, faut voir. Hein? On dit que ticket là, qu'est-ce qu'il y a Black Friday? Black Friday, ce week-end là, c'est Black Friday. Donc, on partage. Ils quand même parler anglais là, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Comme elle aime dire girl, working girl. Move boy, toi tu as regardé mon président pour l'appeler Move boy. Depuis que tu as appelé mon président Move boy là, tes problèmes vont commencer. Toi tu vas dire que Move boy, girl move, pour ne pas dire chose. Lazy girl, agri girl, mécréante, hein? Ils ont tout su, hein? Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'aurais pu dire à la Libias, bon, c'est le moment de soutenir notre soeur. Voilà, même si on sait tous que c'est une pafloteuse, mais la vie est faite de paflotage. Voilà, donc en paflotant, d'après, comme le dirait l'autre, elle est née au pays de paflotage. Donc elle aime pafloter. On n'a qu'à la prendre comme ça. C'est tout cela qui fait, c'est tout cela qui fait Facebook. Voilà, on n'a qu'à s'accepter tel qu'on est. Voilà, on a des bafloteurs, on a des gros bêtes, on a des fafouillassés, on a des mendiantes et des mendiants, on a des gens qui passent tout le temps à faire litchi, on a des gens qui ont un peu de tout sur Facebook et puis on fait avec, c'est la vie qu'elle a. Hein? On a les prostituana, elles sont là, on a des fripeuses de nyerin, elles se promènent pour les ripeuses de Nyéné, elles se promènent pour riper les Nyéné à gauche, à droite. Elles sont sur Facebook. Il paraît même que quand elles sont malades là-même, là, leur patron vient envoyer quelqu'un pour venir voir parce qu'elles doivent aller riper le Nyéné. Le Nyéné doit être ripé. J'ai vu maquillage hier, dans le direct. On peut se maquiller comme ça, comme si quelqu'un est mort. Toi, tu es jeune fille. Jeune fille, jeune demoiselle de 2021 vivant en France. Elle fait maquillage comme si elle s'en funérailles. Il regardait direct là-bas, il dit, mais qui est mort chez elle là-bas? Il regarde là-bas, Abidjan. Jeune fille de 2021, hein, vivant en Europe, hein, de surcroît. Toi, tu fais maquillage comme s'il y a dessin quelque part. Oh, je n'ai pas aimé. Hein? Quoi? Crayon de Narina, Narina. Vous laissez Narina, c'est son micro d'hier là, mec, qui m'a épaté. Il a dit, mais on peut sortir le micro pour le grand jeu. Oh, on dit, c'est un cas qui a répondu. Donc, il faut que le micro, c'est-à-dire qu'on a branché, baf. On est allé chez sa copine qui a tête sur trépied là. Et puis, on a branché, baf, on a sorti le micro des choses. Anou Mambrou Félix. micro du Moyen-Âge là. Et puis, on fait direct à un micro maintenant. Tiens, non, direct a évolué. Facebook a évolué, non, les blogueurs ont évolué. On prend le micro, maintenant vous faites direct. Allez, on va acheter nos micros. Micro est sorti, on dira. Anou Mambrou Félix va venir prester. Non, je n'ai pas aimé, arrêtez de me faire ça, vous là.
Facebook est... Non, Facebook. Facebook rend fou. Hey! Micro dans un membre félix comme ça, il va venir chanter. Anne, boumé, boumé, léke, boumé, léke. Anne, boumé, léke, boumé, léke. Hey! Et sa bouca, 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 pour venir chanter, pour venir répondre à Clash. Non, moi, j'ai acheté mon micro maintenant. Maintenant, là, c'est dans le micro, on répond dans Clash. Hein. Non, maintenant, là, c'est le micro, on prend. C'est-à-dire que le, vous me voyez mon micro, là, c'est que c'est gâté. Le, vous me voyez mon micro, là, c'est qu'il est venu clasher. Est-ce que vous avez un salopé de pompier, là? Eh, ça me fatigue. Tu m'étonnes. Mon cher, elle est trop stylée. Elle est stylée d'elle. On dirait. Moi, souvent, il regarde la bille, on dirait une grosse chenille dans chose. Grosse chenille en train de choses. Il dit, hey, Facebook, là, on tout voit dessus. Chacun vient jouer son rôle et s'en va. Hey. Non. Il est calama, Abidjan. Yeri, la Eklande, où êtes-vous? La Eklande. La Eklande, arrêtez de nous faire ça. Je n'ai pas aimé. Voilà, il bilaye que je n'ai pas aimé. Ah! On peut avoir une Eklande. Hein? Eh? On peut avoir une Eklande. Et puis, galérer pour vendre des tickets de choses. Mais t'as retourné ton portable. Je t'ai dit, il y avait quelque chose en bas là-bas. Là, ils sont en train de mettre la lumière pour regarder. Comment je m'en le retenir? C'est moi-même mon carton. Il y avait quelque chose en bas là-bas. Il dit, attends, regardez. Il y a trop de gougnons sur Facebook. Quand tu parles des gens, on peut t'envoyer quelque chose. On peut t'envoyer quelque chose, chap. Faut pas que je vais courir dans mon, pour monter dans mon pantalon tout de suite là. Puis folie va me prendre dans la voiture. Folie va me prendre dans la voiture là. Que je vais courir pour monter dans mon pantalon pour aller là-bas. Il dit, attends, il va mettre la lumière. Donc, j'ai vu. C'est moi-même mon petit carton. Au calme. Il m'a dit comment folie va te prendre. Hey. T'imagines quand quelque chose coupe pour monter dans ton pantalon, magouille ou bien souris coupe pour monter dans ton pantalon, dans ton panne. Folie qui te prend là. C'est Dieu seul qui sait. Il y a la Eklande. La Eklande. Vous pouvez pas nous faire ça. Vous ne pouvez pas passer votre temps à insulter tous ceux qui s'en prennent à EK. Dès que tu écris EK net là, la Eklan saute. Dès que tu écris EK en légende dans ton direct là, ils sautent comme ça, comme des piranhas. Poisson piranha qui mange, qui dévore en deux secondes là. Tu crois que tombe dans l'eau net, ils sont sur toi. Ils sont sur toi. Hein. Maintenant, on dit EK en train de faire. Je t'ai dit. On dit eux quand eux ont un concert live. Ça là c'est un concert live, elle doit prester. C'est là on doit voir ses fans. Ils vont acheter. Elle doit payer ses trois foulards. Hein? Les trois foulards des vieux foulards. Elle doit. Hein? Bravado, il ressemble à petite souris. Bravado, il ressemble à mangousse. Il ressemble à mangousse. Surtout quand il porte ses lunettes là. Sa bouche est longue comme ça en bas de lunettes là. Et puis, on lui demande, il pense qu'il est beau. Soit on lui demande, il pense qu'il est beau, hein. On dirait un coquelet. Le poulet bicyclette, là.
Bravo à toi. Petite longue bouche comme ça, et puis se promène les uns. Le 24 décembre, il y a un grand spectacle au zoo. Hein? Le 24 décembre. Il y a un gros spectacle au zoo. Hein? On dit les gros gros, les gros gros, là, ils demandent, on a qu'à payer, choses pour eux, comment on appelle ça? Quoi là même là? Comment on appelle la marque là même? C'est pas le boutin, Belouti. Ils n'ont qu'à rentrer dans mon inbox. Allez-y, là, ils n'ont qu'à rentrer dans mon inbox. Je vais leur offrir ça. Ils vont aller en vacances à Abidjan. Ils veulent Belouti des pauvres lots comme ça aussi, pas avec les gens. Bande de pauvres notoires. C'est les fans qui vont acheter Belouti pour toi. Hein? Espèce de gros bête. Il paraît que mon petit neveu chéri veut une Belouti pointue 45. Allez-y, lui dis que tonton. Non. Tonton. Ça, c'est ton neveu. Hein? Tu avises, ça. Je t'ai dit. Il était dit, Narine, on dirait petit. Vous vous rappelez du petit poc qui était dans Sakatoum là? Avant qu'on regardait Sakatoum, il y avait un petit poc qui bégayait dedans mal là. Petit poc rose, quoi. Ses narines sont ronds dans son visage. On dirait pour mon petit neveu chéri. Mon petit neveu chéri. Je te dis, il veut des berloutes pointues 45. On peut chausser 45 à 30 ans. À 30 ans, tu choses 45. C'est que tu as chaussé combien quand tu auras 50 ans? Tu as chaussé 100? Cossia Bobia dit simple way. Un simple way. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Cossia Bobia dit simple way. Simple way. Jerry, là, un clan, là, vous avez les jonyen même. C'est même pas Yaya. Ah, comment on peut vendre les tickets de la grande Eklan en Black Friday? La grande Eklan! Ah! Jerry! Petit porc qui bégayait dans Sakatoum, là. Il a même né, mon neveu. Je t'ai dit. Mon neveu dit que. Hein? Abidjan va aller dans le pays. Il est dit. Hier, voir les jeunes de Yopougon. Ils vont aller l'accueillir. Hier, voir les jeunes de Yopougon, Cypress. Ils vont l'accueillir, mon petit neveu chéri. J'ai loué un car pour les mettre dedans. Et puis, ils vont mettre t-shirt. Et tête de mon petit neveu chéri dessus. C'est narine là. On va dessiner ces narines, ce t-shirt là. Et puis, on va coller ça comme ça. Et puis, ils vont aller l'accueillir. On dessine papi tout le gros là. Papi, on dit Apou bête dans la place. Et puis il va chanter comme ça. Il va chanter comme Yeri. Il vaurien tellement que vaurien même est étonné. Yeri vaurien même le regarde. Vaurien croit pas que. Et Teddy, il ne vaut rien dans chanter. Hein? Quand il est parti chanter au bar où on est parti là, non, il a dit, il a vu la vidéo, il était assis par terre. Il a dit, il ne vaut rien, même était assis par terre. Vaut rien, étonné de voir que mon petit neveu chéri vaut rien. Tiens! Non! C'est pas possible. Il me montre qu'il est trop bête, là. Il est bête, mais très, très, très bête. Il n'a pas son micro-cousine, il est trop intéressant quand tu es là. Il a un mauvais fond de neveu. Il a un dernier cri de mauvais fond. Il a un dernier cri de fond notoire. Il a un dernier cri de fond noir. Il a un dernier cri de mauvais fond. C'est pas Yaya. C'est ça qui garde son affaire, sinon. Il y a pas de gars dans ma question, il est intéressant. Ouais, ouais. Mais c'est un moudia. C'est un moudia pro max. Il se lève matin. Quand il finit de travailler, les enfants, quand il vous dit, il dort dans le train, la bouche ouverte. Bouche ouverte, faussette enfoncée. Jusqu'au terminus de train là. Train là même, ça s'est garé.
Mon petit neveu est couché, il dort d'entrée, en train de baver, d'entrée des gens, plein hiver, avec toute sa masse. Il est en train de baver quand c'est le conducteur de train qui a venu le réveiller pour dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On peut faire ça? Attends, man. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, amusement à part, sérieux. Comme qui est bête? Qui est bête là? Hein? Flop. Flor dit okay, que tu parles comme femme. T'es maintenant tu as remarqué ça. Elle est bête comme celle-là. Attends, il a bloqué, mais elle m'énerve. Il est bloqué déjà. Que moi, il parle comme femme. Moi, j'ai toujours parlé comme femme et puis j'aime ça. J'aime ma façon de parler, connasse. Attends, attends, vous voyez que papa t'a parlé comme lui. Ah, mon jeu. Comme parler l'enfant. Elle est bête. Tu parles oui, comme tu femme. Et on parlait comme femme, mais c'est injuste. Quand on demande là, elle a tout insisté. Tu parles comme femme. Faut la laisser. Quand elle va venir, après, tu vas venir écarter en bas de moi pour me donner. Elle va pas voir mon couteau, elle parle comme femme là. C'est pour écarter sa blague même pour me donner. Elle va écarter sa Pro Max. Pour me donner. Écartage Pro Max. Elle va oublier le côté où tu parles comme femme là. Hein. Écartement de ça. Grand écart dans le lit des gens. For diet menu. On peut s'écarter comme ça. For diet. C'est bizarre. Hein. Hein. Tu es un gars et tu t'écartes. Je t'ai dit. Tu écartes jusqu'à un folie. Je t'ai dit. Tu écartes jusqu'à tes genoux même crient. Pour ne pas dire. Qui est en train de me mettre tête de mort là? Bloque la personne. Yeri, la E-Clans, vous me décevez, mais à un point. C'est-à-dire que vous me décevez Pro Max. Parce que tout ce que Yeri, vous me décevez à un point. Non, mais c'est pas possible. Quand j'ai appris que les tickets là sont en vente en Black Friday, on m'a appelé même pour dire Yaka Yaka. Pardon, il y a tickets à vendre encore. Pardon, faut nous aider. Il faut aider à vendre. Il faut dire à tes Kokbachare que tu seras là-bas aussi. Peut-être que ça allait motiver à venir. Et moi, les Kokbachare n'ont rien à faire là-bas. Hein, amusement, pas. Moi, je ne vais pas là-bas. Je n'ai pas blagué mes Kokbachare pour aller dans. Pour aller non, là. Ils n'ont pas parti, mon grand frère. Pardon. Ils n'ont pas parti. Ils n'ont pas parti. Ils n'ont pas parti. Ok. Donc, les Kokbachare, allez-y payer bien ce week-end-là. C'est un Black Friday. C'est moitié prix, non? Ils ont baissé le prix. Ils ont baissé le prix à combien même? Il y a plus de 50 euros. Hein, ah, donc, les Kokbachare, allez là, c'est cadeau. Hein. Vous n'allez pas aller prendre vos billets pour partir. Parce que ça, là, ça va faire honte hein, si la salle est vide. Hein? Moi-même, là, j'ai envie d'aller. Bon, non, non. Sinon, j'allais me saper mal pour aller là-bas. J'allais me saper mal. Et puis j'allais venir, c'est-à-dire que j'allais venir avec trois Mercedes. C'est-à-dire que ton représentant va te représenter. Ouais, c'est vrai. Si elle est disponible ce jour-là. C'est-à-dire que. Je vais lui prendre un billet, elle va aller me représenter. Comment dire je devais partir là-bas moi-même là, j'allais. C'est trois Mercedes, les grosses Mercedes noires, Mercedes présidentielles là. C'est ça, c'est dans ça qu'on allait m'envoyer. Avec drapeau de la France, hein, dessus. Sur macaron de Mercedes, là, drapeau de la France. Avec garde du corps, loulou, comme ça. Ils sont, tu les vois, on dirait que eux, là, ils mangent manger des Doberman. Là. Je n'ai pas dit manger des Rottweiler. Hein. Ils allaient arriver comme ça, les costumes, les talki-walki, avec deux motards devant, s'il vous plaît. Et puis, quand on arrive, les trois Mercedes noirs là sont garés. Et puis, on vient m'ouvrir. Et puis, ils descendent comme ça. Comme le roi Joffrey Joffer. Vous avez connu le roi Joffrey Joffer, le père du prince Hakim, le prince des Amunda. Et puis, je descends comme ça dans la paix du Seigneur. Et puis, je rentre comme ça grandiosement. Je rentre comme ça. Hein? Tout le monde, je dis que toi aussi, dans la paix du Seigneur. Et puis, ton homologue a dit que. Ton homologue là. Eh, on dit mon homologue mauvaise a pris. Celle qui est née à mauvais croc.
C'est qui est né à mauvais Crolandia, elle a pris Tikeo. Mon homologue présidente. Très mauvais sur le côté. On peut se moucher. Une présidente. On dirait qu'elle est née à mauvais cro. Mon homologue présidente a pris son ticket. La mauvaise des réseaux sociaux. Mauvaise pétise. Comme mauve. Elle est née à Glocro. Eh. Hey. On peut faire ça. Oh. Seigneur, non. Ben, là, il est là. C'est ma copine, ça. Elle est mauve. Il était dit, là. Vous devez. Si elle doit venir visiter la Libye, on fait comment? Si elle doit venir visiter la Libye. J'espère qu'elle sera propre ce jour-là. Parce que pour visiter la Libye, il faut être propre comme les éléments de la Libye. Et puis quand tu regardes le président de la Libye, là, c'est n'importe quel président peut aller saluer Poutine. N'importe quel président ne peut pas aller saluer Poutine. Il y a des pays, il y a des présidents de certains pays que Poutine ne reçoit pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, il ne reçoit pas n'importe quel président. Les présidents mauvais, il n'a pas envie de mettre ma main dans une main mauvaise. Elle est née à mauvais croc. Pour lancer sur ta main comme ça. Je t'ai dit, président, président, tu attrapes sa main et puis tu entends fa. Elle a pété comme ça. Hein. On peut péter en live, péter. Ah. Et puis elle est partie. Elle est partie enlever mauve là. Quand elle est partie enlever mauve dans le direct là, j'ai dit qu'en deux secondes, elle a enlevé mauve et puis elle est revenue. Il n'y a pas à faire de dire attends, elle me met dans la douche, elle lave mes mains, elle est savon. Non, quoi. Elle a pour habitude, c'est une question d'habitude. Toi aussi. C'est une question d'habitude. On dit mauvais croc. Bon, la Kouachari, je vous aime bien, mais je suis arrivé à la maison. Comme je vais descendre au sous-sol pour m'égarer, ça va se couper malheureusement. Donc, merci à toutes les personnes qui ont mis des cœurs, qui ont partagé le live, qui m'ont suivi jusque-là. Et puis, dites à la E-Clan de sortir, s'il vous plaît. La E-Clan, je suis très sérieux. Allez-y prendre vos tickets. On est en train d'en rigoler. On en parle justement pour faire une piqûre de rappel, justement, pour que vous sachiez que il est encore temps de prendre les tickets. Allez-y prendre le ticket. Allez-y soutenir EK Emmanuel Keïta, s'il vous plaît. Allez-y la soutenir pour sa première conférence, s'il vous plaît, c'est très important. Si elle-même sortait pour faire une annonce, pour dire, je souhaite que tous les blogueurs et influenceurs se joignent à moi pour cette première conférence-là, on allait aller là-bas, ouah. Oui, on allait se déporter là-bas. Non, elle peut dire ça. Elle peut demander un soutien de ses collègues. Ah, je souhaite vivement être accompagnée par mes collègues blogueurs. Au moins, nous a invités. Parce que comme elle est un peu bipolaire là, faut pas se déporter là-bas. Et puis arriver à l'entrée, elle va dire qu'elle ne presse plus parce que nous on est là. Et en dit que tant qu'on n'est pas sorti, elle ne va pas presser. Comment ça va le retenir? Attends, elle est juste sapée comme ça. Elle est belle outil dans mes pieds et puis on dit qu'elle ne rentre pas. Aïe. Comment ça va de ça là, tu peux? Hein. Donc si elle m'a fait une annonce, c'est ça qui sera mieux. Au moins elle nous a invités. Et puis on venait lui faire plaisir. Voilà. Donc, sur ce, prenez soin de vous, passez une très bonne nuit. Et puis, gros bisous à vous et suivez mon regard demain. Demain, on va vous faire plaisir en direct quelque part. C'est voilà. Clair. Demain, bisous, on a de belles choses pour vous. Voilà. Bisous à tout le monde. Bonne nuit. Salam.